Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur The Elder Scrolls Castle. C'est un nouveau jeu qui vient de sortir sur iOS, sur Android. Il est disponible partout pour tout le monde et en France, c'est fait par Bethesda. Pour vous résumer grossièrement le jeu, ça va être un jeu de gestion, de stratégie un peu entre les deux. Bah, vous voyez dans le fond, on a un château. Il y aura des décisions à prendre en tant que roi ou reine selon ce que vous jouerez. Il faudra du coup après gérer tout ce qui est ressources, tout ce qui est bouffe, etc. On est parti pour le tuto. Qui pour info, parce que le jeu est sorti hier soir, j'y ai joué peut-être 10-20 minutes. Et là ce matin, je relance le jeu pour faire la vidéo. Et en fait, je vois que tout a été remis à zéro. Donc je sais pas quel moment faut jouer, quel moment faut sauvegarder ou je sais pas trop quoi. Mais faites-le bien si vous voulez pas recommencer comme moi. Donc là, je peux vous résumer. Ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, lui, il va dégager. On va devoir élire un autre roi ou une reine. Et ensuite, on va commencer à agrandir le château et à découvrir comment ça se passe pour gérer. Parce qu'on va construire nos premiers bâtiments après. Là, le problème, c'est que je peux pas skip un truc que j'ai déjà fait dans le jeu. Et ça m'a étonné, parce que Bethesda, c'est pas non plus une boîte où il y a deux employés. Mais je trouvais ça un peu fait par le cul, que tu dois recommencer comme ça. Alors moi, j'avais pris lui. On va le reprendre et recommencer du coup l'aventure avec lui. Donc il faut choisir entre quatre personnages, ils n'ont pas les mêmes... comment dire? Ils n'ont pas le même portrait, ils n'ont pas le même physique, ils ont pas c'est pas la même carte, c'est pas le même truc. Mais lui me paraissait bien, du coup j'avais pris lui. Et là on va se faire... je crois même pas qu'on se fait adouber. Non, juste ça chante un peu... longue vie à la reine, bah voilà, j'ai pris une reine. J'ai pris une reine. Hein. Et il y a des moments où... Ah, d'accord, vous faites la gueule? Ah non, c'est bon, vous êtes heureux. Parce que c'était un peu sexiste à l'époque, quoi, tout petit peu. T'étais une femme, tu savais compter jusqu'à 5. Tu pouvais finir sur le bûcher, quoi. Votre fils m'accuse, vous allez le remettre. Je vous en prie, je vais laissez-moi vous prouver qu'il s'agit. Ouais, voilà, j'avais pris ça. Comme ça, le mec, il est content et il te fait. Il t'enseigne des trucs. Et en gros, il va m'enseigner à péter des murs et à agrandir mon château. Voilà, je vous avais dit, hein, c'est le tuto. Hein, c'est ce que j'ai fait hier et le jeu m'a fait recommencer. J'ai pas compris. J'avoue, j'étais un peu dégoûté. Hop. Ensuite, on va mettre notre cuisine, je crois. Non, c'est pas encore la cuisine. Appuie sur la zone en surveillance pour la supprimer. Waouh, trop bien! C'est mieux comme ça, prendre en compte une cuisine. Ah bah voilà, on va faire la cuisine du coup. Ouais. Ah, et puis je savais pas comment faire pendant le tuto. Je sais toujours pas comment faut faire parce que... C'est comme s'il fallait glisser, mais des fois le glisser ne marche pas. Appuie sur la carte pression à l'huile. Faites-la glisser jusqu'à la zone en surveillance. Ah, il y a des moments où ça marche pas trop. Hein. Je pense qu'on clique sur des. Je dois cliquer sur des murs qui ne sont pas encore construits. Il faut que j'arrive à sélectionner le gars et à le mettre là-dedans. Voilà, donc là en gros, lui il va gérer la bouffe. Et après, nous sujets préparent un jeu pour la récolter trop bien. Quand la jauge d'huile est trop basse, les postes de travail sont plongés dans l'obscurité et les sujets les abandonnent. Là, ils n'ont plus d'huile, nous prenons un. Attends, mais pourquoi on met pas ces ateliers dehors? Petite question qui peut paraître bête. Et pourquoi le... Pourquoi on va pas faire un truc un peu ouvert? Tout le truc de la cuisine il va chauffer, non même en hiver ça va être pas trop mal. Alors messagerie, à chaque fois pour aucune dispute c'est uniquement. Hein? C'est un pack c'est ça? Ah, attendez, le menu dans lequel j'étais pas encore allé. Qualité, ultra, haute, moyenne, basse. Par défaut c'est bien de mettre en ultra. Mais effet du ralentissement temporel. D'accord. Mais attends, mais le jeu il est connecté au Game Center, comment ça? Comment j'ai pu tout perdre? Nouveau niveau de dynastie, bois, récupéré. Alors, on va débloquer des séries. On peut être amélioré afin d'augmenter la quantité de ressources ou d'éléments produits. On dirait que votre cuisine peut être améliorée. Eh mais enfin, on peut enfin zoomer. Hein. Appuie sur le bouton améliorer, améliorer. Attends, mais en bas je peux accélérer pour regarder une pub? Ça a changé le jeu Bethesda. Hop. Est-ce que je peux juste dézoomer à volonté et zoomer à volonté? Ouais, je peux. Je peux. Donc ça, c'est mon château. Plutôt petit, hein. En fait, tu peux pas l'agrandir tant que ça, hein. Je suis en train de me rendre compte. À moins que... Ah, mais peut-être qu'après, en hauteur, tu peux aller vraiment haut. Mais il va un peu sur la gauche aussi. Comment je fais pour agrandir déjà comme ça? Et là, je peux pas construire une pièce... Là, je peux construire une pièce là. Mais pas là. Là, ça ne fait rien. Ok, on va arrêter de faire ça. Donc là j'ai l'huile, là j'ai ma bouffe. Niveau 2, récupérer, affecter un autre sujet au pressoir à huile.
J'ai débloqué quoi? Manufacture. C'est un entrepôt à bois, ça, non? Mature disponible en mesure pour des matériaux pour la construction hein, et l'amélioration des postes de travail. Passons en construction, pour une mesure, il y a suffisamment de place. Au-dessus? Bah, attends, mais les gens, ils y accèdent comment là-haut? Parce que ça, c'est le jeu qui m'a fait faire la plateforme. Ah, il y a un escalier là. Ah, ça, c'est l'escalier. Mais après, il n'y a plus d'escalier au-dessus. Ok. D'accord. Bon, le jeu m'a l'air assez classique quand même. J'avoue que je suis content de ne pas y avoir joué 10 heures hier soir. Avec tes deux sujets à manufacture. Attends, comment j'affecte des... Genre lui, là, je peux le sélectionner. Là, je peux le sélectionner lui. Et je peux mettre l'enfant, hein. Non, vous allez pas me faire croire que... Attends, mais le Premier ministre, là, Barnier, il est pour les travail des enfants à 14 ans. On peut les faire bosser, non? À cette époque-là, on pouvait pas les faire, mais maintenant, pour envoyer les gosses de 14 ans à l'usine, tu vas me dire. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr, bah, bien sûr. Pour 5 unités de bois à la manufacture, récolter de la nourriture une fois. Je peux claim ou pas de la bouffe, là? Attends. Sans emploi? Instable? C'est quoi, là, sa motivation? Spécialiste de la foudre. Spécialiste de la foudre? C'est un mage noir ou... J'ai jamais joué à Elder Scrolls. Mais voilà, je l'ai glissé tranquillement. Moi à l'époque, je jouais sur Game Boy Advance, Game Boy SP, puis la DS, tout ça. C'était plutôt console portable. Donc j'ai jamais joué à Elder Scrolls. Moment de me confier. Ah, mais donc là, ça prend 10 secondes pour m'en faire 5. Ah, et après, je peux changer la formule des ressources que ça me fait. D'accord. Et hop, collecter. Et on avance bien. Récupérer de la nourriture une fois. Il bosse à la nourriture là ou pas? Ah, mais attends, mais c'est le chat qui bosse ici en fait. Et chat, il met 20 secondes à me faire de la bouffe. Non, mais 20 secondes parce que je viens de regarder là, non? Potion de vitesse. Par contre, j'ai pas accès aux pubs, hein. J'aurais peut-être pu regarder une pub, mais je n'y ai pas accès. Le jeu veut pas. Et après, j'ai débloqué des gemmes, donc doit y avoir du. Doit y avoir du pay to win ou un truc, non? Inventaire, vêtements en lin. Vêtements de noble. Hein? Je vois pas qu'est-ce que je fais là, là-dedans, mais d'accord. Rapport de base. Cuisine. Hop. Ah, mais du coup, je suis. Tant que j'ai pas récupéré, ça lance pas en boucle de la production. C'est-à-dire que je suis obligé de récupérer à chaque fois pour que ça relance une salve de produits. Affecter un autre sujet au perchoir à huile. Oh, let's go. 25 gemmes. Tain, le jeu est généreux. Hein. Je sais pas à quoi ça correspond. Mais un nouveau sujet est arrivé à la porte, un nouveau venu. Leur bureau, leur chemise ouvrière améliorant la productivité à la manufacture d'autres types d'outils et de tenues. Ok, d'accord. Et là, je. Attends, pourquoi j'ai un K-pop là? Ah, là, je vois mes villageois. Attends, mais les trois derniers. Pourquoi t'es gris et pourquoi t'es couleur. Il est bizarre lui, non? Il est bizarre, bizarre, couleur argile comme ça là. J'ai pas trop, trop confiance. Hein. Mais vas-y. Donc. Ah, mais il y a peut-être des elfes ou des créatures dans Elder Scrolls, non? Pourquoi le dégaine un peu bizarre lui? Et donc là. Ah, ça dézoome et tout. Ok, non, ça va. Donc là, je peux le foutre là-haut. Et on va passer au truc d'après. Ah, mais non, ça m'a déjà ouvert. Non. Améliorer un pressoir à huile. Je peux améliorer. Ça me coûte 5 de bois. C'est instantané. Récupérer. On a fait une quête. Affecter un autre sujet au perchoir à huile. Genre lui. Je peux le mettre dedans. Je peux tout à fait le mettre dedans. Ok. Je vais récupérer l'huile. Nouveau niveau de dynastie. Gorbak la tourmente. Ouais, donc c'est ça. Il n'y a pas que des humains dans le jeu. Je pensais que les autres étaient malades. Genre la gale. Petit truc sympathique de l'époque, quoi. Mais ça va. Lui, je peux le prendre? Est-ce que je peux le mettre dans un établi? Je vais mettre dans la bouffe, non? Parce que la bouffe me paraît être le plus nécessaire, non? Je peux améliorer la cuisine. Je peux ou... Mais non, je peux pas en fait. Ah, mais je peux claquer des gemmes. Attends, promulguer un décret sur le trône? Votre grâce, l'empereur vous a envoyé un cadeau pour célébrer votre couronnement. Ah, j'espère que c'est des Lego! Ah, c'est pas des Lego. Dommage. Dommage, dommage. Il y a un nouveau set et tout, j'ai bien aimé, hein, bref. Bref, bref, bref. Comment je fais un décret? Qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas promulgué de décret, j'ai juste reçu un cadeau. Ça compte pas, non? Attends, mais il parle même. Mais dégage de mon écran, toi. Il psipsite le chat. Attends, mais casse-toi. Ah, mais c'est chiant parce que quand j'ai les doigts posés sur l'écran, si le personnage il passe là où j'ai eu le doigt qui était posé avant qu'il arrive, ça bouge le personnage. Putain, le câble. Je peux l'améliorer cette cuisine de mer. Attends, mais le bois il met de combien? Ah, faut que je récupère. Ouais, je suis pas le. Ah, mais ça y est, je peux regarder des pubs pour accélérer mes établis. D'accord. Nouveau niveau de dynastie, on a débloqué quoi? Le métier à tisser. Ouah, pour mettre des culottes. Ouais, parce qu'ils avaient pas de sous-vêtements du coup. Ils n'ont même pas de vêtements en fait. Construire deux pièces. Alors. Attends, mais là, les tâches que j'ai pu faire, je peux pas le prolonger parce qu'il y a la cuisine. Et le métier à tisser, je le mets où? Ah, il me refaut du bois pour. Ouais, ça s'amuse. Allez, par contre. On... Attends, mais là, je peux pas arrêter la pub. Mais là, je peux. Là, je peux pas. Je comprends pas trop le bail du jeu là. La nuit, il bosse ou il dort? Attends, est-ce que je peux la mettre. Attends, mais là, ça rentre, non? Ouais, là, ça rentre, parfait. J'ai pas besoin de m'emmerder à faire une autre. Une autre pièce. Alors, le métier à tisser produit des tissus qui permettent de créer des tenues. Vous pouvez placer un sujet dans un emplacement d'ouvrier du métier à tisser pour qu'il travaille ici. Ouais, comme le reste, quoi. Appuyez sur un emplacement d'ouvrier. Eh, hey, mais Laura, viens ici, toi. Affecté. Quelques jeux sont drôlement mauvais. Ah, mais c'est vrai qu'il y a déjà des espèces de chats, de reptiles à taille humaine. J'aurais dû me douter d'un truc, en fait. J'aurais dû me douter qu'on était envahi. Triste. Construire deux pièces. Ah, mais je suis obligé. Donc, faut que je fasse bien une deuxième pièce. Alors, si je le fais là et là. Ah, et là, faut que je replace des. Est-ce que. Est-ce que là, c'est bon? C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon, la construction de pièces. Avec tes deux sujets, avec TLC. Nouveau niveau de dynastie, on a débloqué quoi? Pack commun. Pack commun qui me sert à. Un pack commun. Pack commun, le sujet de l'équipement de l'or et bien plus encore plus pack rare. Les récompenses seront intéressantes. Ok, j'imagine que c'est là que va venir le pay to win. Ouvrir un pack. Après, si le jeu est full solo, bah tu t'en fous un peu quoi. Puisqu'il n'arrête, vous portez chance. Bah merci à cette personne. C'est une notification qu'on vous donnait un. Non. Non, j'aurais bien aimé retrouver ma sauvegarde d'hier que j'avais démarré déjà. Commencer sur de bonnes bases. Ah, attendez, là, faut que j'affecte un deuxième sujet. Donc, je peux prendre lui. Affecté. Attends, mais j'avais déjà affecté. Il se fout de moi, non? Pourquoi ça dort? Peut-être un meunier. Tu dors. Affecté. Ok. Je comprends tout ce qui se passe dans le jeu, mais pourquoi pas? Tiens, bah lui, on va le prendre. Attends, mais je suis obligé de. Instable, sans emploi. Vas-y, viens. Allez, viens chez les fous. Mettre à la bouffe ou à l'huile. Je pense que je vais mettre à l'huile parce qu'il y aura peut-être un moment où j'aurai plus d'huile. Et on a l'orque le plus con du monde. On a l'orque qui part le mur. Hein. On a l'orque qui part le mur. Il faut se faire. Il n'y a peut-être pas de psychologue à l'époque, mais il faudrait penser à consulter. Hein. Bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus parce qu'après, de toute façon, ça va être juste d'améliorer des trucs et de débloquer des trucs. Voilà, je vais te résumer le jeu en deux phrases. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère. Je peux améliorer mon établi. Là, il faut que je zoome pour pas cliquer sur les personnages. Améliorer. Waouh, trop bien, let's go. Let's go, let's go, la dinguerie. J'espère que le jeu vous aura plu. J'espère que la vidéo vous aura plu. En plus, on est passé niveau 8, on a débloqué la porte armure de fer. C'est incroyable, vraiment, on est les plus forts du jeu. Bientôt l'hôtel de Mara. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien. À la prochaine, c'est salut. Bye bye.